Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yance Reborn. Attention à cette vidéo, surtout s'abonner. Cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous écoutions un témoignage puissant. C'est d'ailleurs le prochain témoignage puissant que nous allons diffuser en live aujourd'hui. Soyez prêts, ça va être chaud. Et dans ce témoignage puissant, un ex-sorcier nous a parlé de quelque chose de grave qui s'est produit. Il dit ce qui s'est produit est que les gens, une personne a appelé le numéro du diable. Parce que le numéro du diable existe. Et ce dernier, il a réussi à trouver le numéro du diable et il a appelé. Mais ne s'attendait pas à ce qui allait se passer par la suite. Nous allons tout vous expliquer ici. Nous allons tout vous dire. Et vous préparez-vous pour le témoignage puissant aujourd'hui en live. Ça va être chaud. Let's go. Il dit, mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas informé, le diable a un numéro, comme tout le monde. Il a même un compte Facebook. Il est sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont les yeux spirituels peuvent le voir. Et ceux qui savent, toutes ces informations, qui ont les informations qui font partie du monde des ténèbres, ils le savent aussi. Ils savent que le diable existe et il a des numéros. Voici qu'un jour, dans un film à la télévision, le numéro du diable a été donné par un sataniste qui était un acteur de ce film. Et cela a poussé la curiosité de beaucoup de personnes qui ont appelé ce numéro. Ce numéro. Le numéro du diable. Hein? Est-ce que nous allons vous donner ce numéro? Si on vous donne ce numéro par curiosité, beaucoup de personnes vont l'appeler. Beaucoup. Mais ne vous comptez pas sur nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne va pas vous donner son numéro. Si vous avez son numéro, n'appelez pas. Parce que il dit que quand vous appelez ce numéro, les démons décrochent. Ou encore le secrétaire du diable, qui est un démon, il décroche, il prend votre appel. Mais le problème là, est que quand il va prendre votre appel, vous, ne raccrochez pas. Parce que c'est une voie que vous avez choisie, c'est un chemin que vous avez choisi. Mais, si vous raccrochez là, même si vous avez raccroché, eux, les démons, ils vont venir chez vous la nuit. Les démons vont descendre de votre maison là-bas et ils vont vous poser une seule question. Pourquoi nous as-tu appelé? Qui t'a donné notre numéro? Quoi? Le numéro du diable existe? Oui, mes frères et sœurs, son numéro existe. En général, dans les films, on donne ce tel numéro. Même dans certaines chansons de rap, certains rappeurs qui ont connaissance de ces choses donnent le numéro du diable. Et ce numéro-là est un numéro simple comme tous les autres numéros. Vous pouvez même l'appeler, le contacter. Mais le problème est que quand, par curiosité, vous décidez d'appeler ce numéro, c'est comme quelqu'un va dire, vous ouvrez la porte de votre vie au démon. Si vous ne le comprenez pas bien, ça veut dire que le démon là entrera en vous par le simple fait que vous soyez entré en contact avec lui ou encore avec eux par le biais de ce number, ce numéro. Quoi? Le numéro du diable est ici. N'appelez jamais ce numéro là. N'appelez jamais ce numéro. Nous faisons cette vidéo
pour vous dire, si vous avez déjà le numéro et vous doutez encore si est-ce que vous devez l'appeler ou pas, n'appelez jamais ce numéro. Si vous recherchez ce numéro, nous vous disons en même temps que non, abandonnez vos recherches, recherchez Dieu, ça va vous sauver la vie. Mais si vous appelez le numéro maudit ou encore le numéro du diable ici, c'est sûr que les démons vont venir parce que l'appel de ce numéro signifie invocation. Voilà, c'est le mot juste. Ça signifie invocation. C'est pas une voiture qu'on achète, une nouvelle voiture. Non, 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 non. Il s'agit du diable, Satan, Lucifer, son number. Même Baphomet, le démon de la musique. Nous avons appris qu'il a un compte Facebook. On dit qu'il se trouve sur les réseaux sociaux. Il est là sur les réseaux sociaux. Il tapit dans l'ombre. Et ceux qui ont les yeux spirituels peuvent le retrouver. Qui aurait cru? Mes frères et sœurs, ce sont les témoignages qui nous ont révélé cela. Si vous voulez entrer ou pouvoir entendre ce témoignage avec plus de détails, ne manquez pas les prochaines vidéos sur Nyanskri Born. Surtout le prochain témoignage puissant. Le prochain témoignage puissant va nous parler en clair, en long et en large, du numéro de Satan. Mais vous ne devez pas l'appeler. Pour bien combattre son ennemi, il faut le découvrir. Aujourd'hui, vous découvrez que le diable a un numéro. Ça, c'est très bien. En même temps, pour bien le combattre, il faut faire une seule chose. Ne l'appelez pas. Ne cherchez pas à rentrer en contact avec lui. Parce que c'est un ange déchu. Et cet ange déchu là est mauvais. Il est accompagné même par plusieurs démons, plusieurs créatures du monde des ténèbres, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, tout ce dont nous sommes en train de vous parler ici, c'est plus vrai que vrai. Voulez-vous appeler le diable maintenant? Est-ce que vous prépariez à appeler Satan? Mais qu'est-ce que vous allez dire au diable aujourd'hui? Et les gens, par curiosité, hein? Par curiosité, même les jeunes, par curiosité, ils se disent entre eux. Bon, les amis, nous avons le numéro du diable aujourd'hui. Appelons-le. Appelons Satan. Et il va venir. Le diable et ses démons-là ne sont pas des personnes ordinaires. Ce sont des démons. Et on ne joue pas avec eux. Quand vous les appelez, ils viennent chez vous. Et quand ils viennent, ils ne peuvent plus repartir. Ils ne peuvent plus retourner. Et c'est là que le problème va apparaître. C'est ici que vous allez découvrir le problème. Parce que tu l'as appelé. Tu l'as dit, viens, inconsciemment. Et lui ici, il te dit, puisque tu m'as invoqué, je ne retourne pas parce que tu ne connais pas la formule qui va te permettre de me chasser. Si tu n'as pas Jésus-Christ, c'est la formule, c'est Jésus-Christ. Au nom de Jésus, démon sort. Oui. Et il obéira. Mais, si tu sais maintenant, tu as toutes les informations, comme ce que nous sommes en train de te donner aujourd'hui, n'essaie pas d'appeler le diable ou encore son numéro. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose aussi que beaucoup de personnes font qui est mauvais, qui se rapproche aussi du numéro du diable. Il s'agit tout simplement des livres occultes ou encore des livres magie ou de sorcellerie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent forcément entrer en contact avec les démons, même les ressembler. Ils veulent faire comme eux. Parce que pour eux, les démons sont très puissants et ce sont des super-héros. Parce que pour eux, les démons peuvent les aider et les accorder bien plus que ce qu'ils s'imaginent. Ils ont appris que pour avoir le succès, il faut collaborer avec un démon, le démon de la musique. Le démon Baphomet, parce que eux, ils investissent dans la musique. Ils travaillent dans la musique. Est-ce que vous voyez? Et les gens, pour le succès, ils seront prêts à tout. Même vendre leur âme au diable. Et ces gens-là vont se mettre maintenant à lire des livres magiques pour obtenir certains pouvoirs. Mais c'est un danger qui vous guette. Un livre magique là. Évitez.
C'est pas tout on entend, c'est pas tout on voit et c'est pas tout on lit. La curiosité doit avoir une limite. Une limite. Si tu es curieux de chercher Dieu, lis la parole de Dieu. Ça, c'est une bonne curiosité. Mais une autre curiosité là, qui pousse parfois les humains à la mort, et c'est la mauvaise. Il faut éviter. Il faut éviter. Il faut savoir orienter tes recherches. Il faut savoir. Orienter tes recherches. Sinon, tu risques d'avoir le diable au téléphone. Et le livre magique que tu vas lire là va t'amener dans une autre dimension. En fait, quand tu seras en train de lire ce livre là, les démons vont commencer à te posséder. Même apparaître là dans la maison. Parce que tu as lu une phrase qui est une incantation et qui signifie qu'un démon spécifique doit apparaître là, au bon milieu de ta maison, dans ta vie. Et ce jour-là, tu vas regretter d'avoir lu ce livre. Parce que le démon qui va apparaître là, ce ne sera pas un démon doux. Un démon n'est pas doux. Ce ne sera pas mignon. Un démon n'est pas mignon. Il ne sera pas beau. Il sera vilain. Et ce jour-là, quand tu vas le voir, tu vas crier. Et quand tu auras peur, c'est fini pour toi. Parce qu'il va trouver une belle opportunité de t'ôter la vie. Parce que tu n'étais pas bien préparé avant d'entrer en contact avec lui. Et la parole de Dieu nous déconseille d'entrer en contact avec les démons. Ou encore avec l'esprit des morts. Ne vous affectionnez pas aux yeux du monde des ténèbres, mais condamnez-les. Nous ne devons pas aimer ces choses, nous devons plutôt les détester. Refuser le diable dans notre vie, c'est aussi sortir de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Abandonnez ce chemin, abandonnez votre voie, votre quête pour ce numéro-là, que cela s'arrête à ce niveau-là. Ne cherchez pas à entrer en contact avec le diable, même l'appeler, ou encore lire des livres occultes, ou encore lire des livres de magie, même vous intéresser à la magie. Évitez ça. Sinon, vous serez en train d'invoquer le diable ou encore les démons chez vous. Et une fois qu'ils seront entrés dans votre maison ou encore en vous, ou encore une fois qu'ils seront sortis du monde de l'enfer ou encore du royaume de l'enfer, ils ne voudront plus retourner tranquillement chez eux. Mes frères et sœurs, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. J'espère que cette vidéo va vous sauver la vie. Parce que ça, franchement, ça aide. Dans tous les sens du terme, ça aide. Dieu a permis que vous regardiez cette vidéo. Il y a une très bonne raison. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Et que Dieu vous garde. N'en souriez pas. Go.